Bonjour à tous et bienvenue sur ce vlog pour la présentation de la ville de Saint-Quentin. Donc juste à côté de cette place se trouve la mairie de Saint-Quentin, donc qui a été construite entre 1331 et 1509. Et elle fut donc reconstruite en 1926 après la Deuxième Guerre mondiale. Saint-Quentin est donc une ville de 52 000 habitants. Frédéric Macaré est donc le maire de Saint-Quentin depuis janvier 2016. Donc on se retrouve au théâtre Jean Villard qui a été construit en 1773 suite à la victoire lors d'une compétition militaire pour accueillir plusieurs représentants. Il devient un théâtre en 1842 et s'inscrit en tant que monument historique en 1995. L'espace Saint-Jacques est une ancienne église brûlée dans les années 1557 par les troupes espagnoles, puis fut reconstruite dans les années 1562 et 1602. En 1929, l'église devient alors les locaux de la chambre de commerce. En 1980, la ville de Saint-Quentin prend possession de ce bâtiment. On y trouve aujourd'hui la galerie d'exposition ainsi que le musée des papillons. Derrière moi se trouve le musée Antoine Lécuyer, qui a pour référence le nom d'un ancien banquier qui a légué son hôtel à la ville de Saint-Quentin. Il a notamment servi pour accueillir les œuvres de Maurice Quentin de la Tour et il a été reconstruit après-guerre en 1928. La construction a débuté en 1170 et a pris fin un peu plus de 300 années plus tard. C'est une basilique de style gothique. Suite à la guerre, elle fut reconstruite de 1917 à 1976. Maintenant, on se dirige au prochain lieu. Let's go! Donc on se retrouve actuellement devant le palais des sports Pierre Ratte, construit en 1971. Donc il s'y déroule des événements sportifs, mais aussi des événements non sportifs, comme les forums actuellement présents ou encore le forum Job d'été qui a été organisé par le pôle jeunesse. Donc on a une équipe de volley qui a terminé 3e de seconde division et une équipe de basket qui a terminé championne de Pro B, donc qui montera l'année prochaine en Pro A qui est la première division française. Donc là on vient de vous présenter le palais des sports et donc juste en face on se retrouve aux Champs-Élysées. Donc voilà, on va vous présenter ça tout de suite. En 1810, après l'inauguration du canal de Saint-Quentin, Napoléon Ier décidera de faire quelques faveurs à la ville. Il est d'ailleurs possible de faire du sport aux Champs-Élysées puisqu'on a des terrains de basket qui vont d'ailleurs être rénovés. D'ailleurs un projet qui est financé par Rudy Gobert, donc le basketteur qui est originaire de Saint-Quentin et qui joue aujourd'hui en NBA. On se retrouve à la gare de Saint-Quentin. Elle a été mise en service en 1850. Il y a plus d'1 million de voyageurs par an qui y viennent. Et on peut prendre un train direct pour aller à Lille, Paris ou Amiens. Donc on se retrouve pour terminer au parc ville de Saint-Quentin. Donc il fait 48 hectares. Et on peut retrouver plusieurs animaux des quatre coins du monde, des jeux pour enfants, de l'acrobranche, il y a aussi la plage d'île, un mini-golf. Et il faut savoir que ce parc est totalement libre et gratuit, donc souvent les familles viennent ici et il y a souvent du monde, mais c'est ça qui fait le charme de ce parc. Qu'est-ce que tu penses de ces animaux, Sarah ? C'est très mignon. Je suis d'accord. Donc il y aura aussi un chantier international qui va se dérouler ici. Et il y a plusieurs aménagements qui se font tout au long des années. Donc dernièrement, on a eu l'île sauvage avec plusieurs animaux sauvages. Donc on peut aussi retrouver des personnes tous les jours qui viennent faire leur sport, courir, faire du vélo, mais aussi utiliser les équipements sportifs mis à disposition par le parc. Donc le parc propose plusieurs activités pour les enfants, notamment ce labyrinthe. Durant cette vidéo, nous vous avons présenté les lieux principaux de la ville de Saint-Quentin pour que vous en sachiez un peu plus sur celle-ci. Si jamais vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez vous rendre à l'office du tourisme, encore au pôle jeunesse qui est labellisé structure d'information jeunesse. On espère que votre séjour ici vous plaira. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.